Lamine Yamal, les amis, on le spam, les gars, petit à petit, et on va pas tarder de l'acheter, les amis. La première player review de cette année, FC25, les frérots, approche à grands pas. Et comment ne pas tester le prodigieux Lamine Yamal, les amis, le prodige, bien évidemment, espagnol, les gars, qui a tout arraché, que ce soit à l'Euro, même en ce début de saison. Il est vraiment exceptionnel. Par contre, les amis, on va essayer de le choper le moins cher possible pour éviter de perdre le moindre crédit, les gars. 83 000 crédits, les frérots, vite! J'ai pas été bon! 83 000, et il est acheté, les amis. La première player review du coup, qui sera donc sur le bon vieux Lamine Yamal Boost, les gars, avec une carte franchement, les amis, exceptionnelle. 4 étoiles techniques, 3 étoiles de moyen pied. C'est un 2007, les gars. Ça fait vraiment bizarre de tester un 2007 déjà. Bientôt on va tester des 2010. 1m80 du coup pour le bon vieux Lamine Yamal, avec type d'accélération surtout explosive. Ensuite après il peut jouer AD, MD, AJ. Au niveau des détails attributs, 86 de rapidité, 80 au niveau de la frappe, 81 de passe, 86 de dribble, 52 de physique. Et quand on regarde un peu, les gars, justement ces stats dans les détails, 88 d'accélération, 85 de vitesse de sprint, 82 de positionnement offensif, 81 de finition, 82 de puissance de frappe, 84 de tir de loin, 84 d'effet, 86 de centre, 82 de vista, 91 d'agilité, par contre seulement 68 d'équilibre, 83 de réactivité, 88 de dribble, 86 de conduite de balle, 62 d'endurance. Bon, les gars, je sais pas si vraiment il va réussir à tenir tout le match. Au niveau des playstyles, là donc tir en finesse, il a le R1, intuition et foulée rapide. Au niveau des playstyles, donc en blanc, il n'a pas de playstyle le plus. Et sinon au niveau des postes, puisque désormais maintenant les gars il y a les rôles, je vous le rappelle, au niveau des rôles, là où c'est le plus intéressant de le jouer, ça serait plutôt en tant qu'ailier droit, puisqu'en tant qu'ailier droit justement il a deux rôles plus qui peuvent être très intéressants: attaquant intérieur, ailier, et donc ensuite après par contre meneur de jeu latéral, où là par contre il n'a pas de plus au niveau des rôles, les amis. Bref, on va du coup l'envoyer, les gars, dans le club, et on est donc parti, les amis, pour cette première player review. Mais avant toute chose, bien évidemment qu'on va quand même, les gars, appliquer un petit style au bon vieux Lamine Yamal. Au niveau, les gars, des styles un peu que nous on peut avoir et qui pourraient être vraiment intéressants, je pense que, les amis, un petit moteur, ça peut être plutôt sympathique. Avec moteur comme ça, au moins ça lui permet de rajouter de la rapidité, de la passe, du dribble. C'est vrai qu'après lui rajouter un peu d'endurance, ça aurait été aussi plutôt sympathique, je pense. Voici désormais, les amis, pour la nouvelle carte de Lamine Yamal avec le petit style moteur. Et on passe directement, les amis, au premier match test. D'ailleurs, n'oubliez pas, les gars, de poser like, de vous abonner et de partager un maximum la vidéo, les gars, si vous kiffez justement ce genre de contenu. Le retour des player reviews, je compte sur vous, les amis, pour exposer ce compteur de pouces bleus. Objectif de 1000 pouces bleus. Et en plus, ça, les gars, on commence vraiment avec une player review exceptionnelle. Alors, les amis, pour ce premier match, Timo Ward, Frankowski, Jean-Claire Todibo, Prest, l'équipe avec Nuno Mendes, Katarina Macario, Leimer, Kimmich, Madueke, Osimhen, et je crois qu'il y avait Mertens aussi, les gars, en évolution, me semble-t-il. Et Lamine Yamal, les amis, le premier ballon touché. Malheureusement, c'est une paire de balles d'entrée. Et Lamine Yamal, le grand Lamine Yamal, le grand Lamine Yamal. Allez, bien joué, il est passé. Petit passement de jambe. Lamine, les amis, déjà. Oh, balle au pied, les gars, qu'est-ce que c'est fort. L'enroulé de Lamine. Ouf. Et Lamine Yamal, l'enroulé. Et le but, les amis. Le but de Lamine Yamal. C'est allé beaucoup trop vite, les gars, en 15 minutes de jeu. Par contre, qu'est-ce qu'il est super bien modélisé, les gars, en sachant que c'est son premier Ultimate Team. Honnêtement, par contre, vraiment, au niveau de la modélisation, les gars, c'est un 10 sur 10. N'hésitez pas, d'ailleurs, les gars, à me dire un peu dans les commentaires ce que vous pensez de sa modélisation, si pour vous elle est validée ou absolument pas. Et franchement, moi, les amis, je la valide comme jamais. Oh, le changement d'aile de malade. Oh, alors, en plus, ça passe, les gars, incroyable. Ouf. C'est pas passé long. On va regarder justement, les gars, les stats de Lamine Yamal sur coup de périté, histoire de voir un peu ce que ça dit. 82, 69, 92, 74. Ouais, c'est clairement pas, les gars, son point fort. Lamine Yamal. Allez. Oh là là, la petite passe décisive, les amis, sur le petit coup de périté, les gars, de Lamine Yamal, du coup. Lamine Yamal qui vraiment montre à tout le monde qu'il est pas là pour blaguer, les gars. Un but, une passe D en l'espace de 3 minutes de jeu. Lamine Yamal, les gars, qui est encore une fois parti. Qu'est-ce qu'il est agile en plus de ça, les gars, c'est abusé. Lamine Yamal le roule encore une fois. J'ai un peu trop abusé. Mais c'est quelqu'un déjà, les gars, Lamine Yamal, vraiment. J'imagine même pas quand il aura d'autres cartes spéciales encore. Ça va être vraiment vraiment insane. Lamine Yamal peut-être la tête, pas du tout. Il est parti. Il est clairement parti, le grand Lamine. Tu t'arrêtes. Petit geste technique. Bien joué. Le R1. Le R1 c'est un des très forts, les gars, aussi avec Lamine Yamal. Pour pouvoir lui récupérer le ballon, franchement, c'est pas évident du tout. L'enrouler et le golasso, les amis. Deux buts, une passe D pour Lamine Yamal en division 6. D'ailleurs, les gars, c'est mon premier match en Rivals. On est déjà en division 6, forcément. Lamine, comme d'habitude, toujours là. Toujours rendez-vous. Il est parti. Il n'y a que lui, en fait, les gars, sur le terrain. C'est abusé. La passe, peut-être. Ça va passer. Ça va passer pour le grand éliminateur. Illiman Ndjaye. Deux buts, deux passives, les gars. Il s'est marqué. Comme délivré des passives. D'ailleurs, la pause a été demandée par l'adversaire. Peut-être, les amis, un petit rage kit. Pardon les amis, regardez le petit changement d'aile déjà. Oh, ce changement d'aile à chaque fois, les gars, c'est vraiment quelque chose. Là bon, c'était pas trop incroyable, mais en règle générale, il l'enroule même, les gars, pour faire des changements d'aile. Est-ce que les gars vont l'avoir de la tête?
Pour une fois qu'il prend un ballon dans la tête, porte, c'est vraiment un miracle. Pour le coup. Les gars, le petit angle, les amis, est-ce que ça marche encore sur FC25? Ça a l'air de passer. Après, c'est parce qu'il a pas anticipé aussi. Les gars, le R1 avec Lamine Yamal. Dommage qu'il n'ait pas R1 en playstyle plus parce que sinon ce serait tellement incroyable. Parce que vraiment, je trouve que balle au pied, il est tellement agile. Et puis, il passe mon jambe. Ça passe comme d'habitude. Comme sur FC24. Regardez les gars, le R1. Le R1 avec Yamal. Ah, dommage. Oh, il a un triangle peut-être. Bien joué. Enroule. Encore? Oh non, le poteau, dommage. Les gars, le passement jump, ça donne tellement une accède à chaque fois. Est-ce qu'il va aller tout seul? Non, pas du tout. Regardez encore qui est présent, les amis, le grand Lamine. Le grand Lamine Yamal. Les gars, regardez-moi ce R1. R1, R1, ça passe, ça passe. En R1, Lamine Yamal, Peufra et but, les amis. C'est beaucoup trop fort, les gars, le R1 avec Lamine Yamal, vraiment. C'est une dinguerie monumentale. D'ailleurs, triplé, les gars, pour Lamine Yamal dans le plus grand des calmes avec deux passives. Il aurait été 5 fois décisif dans cette rencontre. Lamine Yamal, les gars, pour son tout premier match, les frérots, c'est 3 buts et 2 passives. 5 fois décisif dans cette rencontre, les gars. Il a tout simplement atomisé son adversaire. C'est vraiment une dinguerie, les gars, le match qu'il a pu délivrer. Il m'a complètement choqué. Deuxième match, les amis. Et cette fois-ci, on va tomber contre David Raya, Kyle Walker, Araujo, Stones, Balde, Tchouaméni, Bruno Guimaraes, Cole Palmer, Savinho, Sazic et Yago Aspas. Il est passé le grand Lamine. Oh les gars, comment le gameplay est hyper rapide avec Lamine Yamal. Ça va tout de suite beaucoup plus vite quand t'as Lamine Yamal entre les mains. Allez. On l'a encore. Et le but gag, les amis. Bon, il n'y aura pas de passif cette fois-ci pour Lamine Yamal, mais le but est bien dégueulasse. Et le rush kidder, les gars, de l'adversaire, les frérots. Cette fois-ci, l'adversaire n'a pas cherché à comprendre. Il s'est dit, bon, allez, la flemme de jouer. Je rush kit. Lamine Yamal, donc, les gars, qui n'aura pas eu cette passif. Mais clairement, si le bon vieux Illiman Ndjaye a pu marquer, clairement grâce à Lamine Yamal. Mais écoutez les amis, déjà troisième rencontre du coup, Unai Simon, Mazraoui, Akanji, Robin Le Normand, Madsen, Thomas Lemar, Pedri, Baile, Trossard, Kaya Vers et Sorloth en évolution. Allez Lamine, montre-leur un peu ce que t'as dans le ventre. Oh les gars, déjà en termes de vitesse, qu'est-ce qu'il est rapide, c'est dingue. Et la récup, allez. Bien joué ça. On lui fait pas au grand Lamine. Sente là-bas. Oh, c'est magnifique. Il n'y avait pas d'argent en plus de ça, les gars. C'était vraiment dans le bon tempo, dans le bon timing. Comme d'habitude, ça passe. L'enroulé et le golasso, les gars. C'est tout de suite beaucoup plus simple quand on a Lamine Yamal entre les mains, les amis. C'est une dinguerie, les frérots. Manette en main, Lamine Yamal est vraiment beaucoup trop fort. Oh, tu fais que des passements de jambes, les gars, avec Lamine Yamal. Ça passe, bien joué. Allez, on t'a vu partir. Petite entrée, pied gauche, le centre là-bas, il est tout seul. La tête. Oh, la barre transversale, dommage. Ça va passer ça normalement. Oh là, la pointe de vitesse, les gars, il l'a mangé, Madsen, vraiment. Il l'a mangé, il passait tellement facilement. Petit corner obtenu. Et le roulé d'ici. C'est compliqué, par contre, les gars, de marquer d'assez loin comme ça avec la mini Yamal en enroulé. Bien joué, ça. Il arrive à trouver le petit espace, il l'a trouvé. Inaki Williams l'a roulé. Peut-être que j'aurais dû tirer pied droit en soi. Le match est complètement serré en soi. Il est passé, il est passé, il est passé la mine. Allez, tu peux encore passer pour les gars, la rapidité. Au centre. Boum. Et comme d'habitude, toujours la mine Yamal les amis, qui est décisif. Il a joué la récup. Il est vraiment de partout cet homme, c'est trop. Alors encore Axel, oh là, mais les gars, qu'est-ce qu'il est trop rapide, c'est une dinguerie. Après c'est vrai que physiquement, il manque un peu peut-être de physique parce que parfois il s'est vraiment bougé assez facilement, mais c'est vraiment une dinguerie les gars, comment il me régale. Encore une fois, regardez comment il passe dans les petites roues de souris, il a tous les comptes favorables, il a encore le ballon, je sais même pas comment les frérots. C'est vraiment abusé, il a vraiment le ballon qui lui colle à la semelle. Allez, encore la récupération, il l'a vu là-bas. Dommage. Oh là là, mais les gars, en termes d'agilité, oh là là, mais c'est un plaisir. S'il avait 5 GT, les gars, la minimale, mais ça serait une dinguerie. Oh là là, mais le R1, boum, pff, le but, les gars, il est dégueulasse, mais la minimale, il a tellement tout pour lui que ça m'étonne pas. Ah, il était pas en jeu, la mine. Tu n'es pas du tout en jeu. La PES qui ne va pas passer, on l'a encore normalement.
Il a pas réussi à sauver, il y aura quand même un corner. Cette fois-ci, Sancho Lamine Yamal, c'est un but et une passe décisive, les gars. Deux fois du coup décisive dans cette rencontre. Il aura encore une fois montré que c'est vraiment le boss de cette équipe. En nous, on les ferait trois passes décisives. Vraiment, les gars, il est omniprésent au milieu de terrain, c'est une dinguerie. Mais Lamine Yamal, ouais, jusqu'à présent, les gars, il m'impressionne comme jamais. Pour cette nouvelle rencontre, les amis, on va tomber contre Brice Samba, Pedro Porro, Christensen, Inigo Martinez, Fran Garcia, Enzo Fernandez, Bress Mendez, Eriksen, Adama Traoré, Dovbike. Et d'ailleurs, j'ai même pas vu les gars l'ailier gauche. Oh, l'engagement, les gars, ça marche encore super bien, les amis. Lamine Yamal, l'enroulé. Ça passe à côté. Et bien joué, Lamine. Bien joué, ça, Lamine. Magnifique, les gars, on revient dans le match. 2 buts à 1. Ça a commencé super mal là d'ailleurs, puisqu'on perdait déjà 2-0. Alors, il y a un triangle, ça peut passer. Ah, il n'est pas dessus. C'est dommage. On a une belle contre-attaque, les gars. Si on est bon. Oh, j'ai voulu faire la passe, il a pas voulu bien jouer la récup. Il a pas faute en plus de ça. Carte, 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 carte. Oh, il est passé. Ça passe. Oh là là, magnifique. Quelle action incroyable. Les gars, on va tenter ce petit corner avec la minimale tout à l'heure. Ça nous a plutôt bien souri, puisqu'on a réussi à marquer. Ah, là, il a bien sorti son gardien en soi. Mais revient sur nous. Bien joué, Lamine. Il est passé. Lamine Yamal. Lamine Yamal encore. Oh là là là, du pied droit, il a failli marquer. Et le rush kit, les gars, d'adversaire, ça fait extrêmement plaisir ça. Je crois qu'il est Enjai, les frérots. Il me semble qu'il a mis un triplé, hein, si je dis pas de bêtises. Triplé, une passe ici, ouais, pour Ilima Enjai. Lamine Yamal, un but, une passe ici. Comme d'habitude, les amis, j'ai envie de vous dire, oh, ça devient vraiment une habitude du côté de Lamine Yamal qu'à chaque fois il soit vraiment hyper décisif. Comme d'habitude, il nous a totalement régalé. Il est toujours là, les gars, dans les bons coups, que ce soit en termes de finition, mais en termes aussi également de passive. Les matchs, les gars, vont tellement vite qu'on est déjà au 5e match. Et frérot, Pickford, Ben White, Kipembe, Nathan Ake, Kondogbia, Baltimore, Coman, Nour, pas Georges, Félix et Bailey. Du coup, les frérots, le frérot a plutôt une belle équipe. Lui aussi, les gars, du coup, il a eu Nour dans son pack héros garanti. En vrai, de rien, au tout début, les gars, j'étais assez sceptique à l'idée de me dire est-ce que Nour sera vraiment si fort que ça. Et franchement, in-game, je trouve pas si mauvais que ça, les gars, jusqu'à présent. Il fait pas mal de récupération, il est vraiment omniprésent. Pour l'instant, il me régale, le frérot. Mais bon, la grosse pépite, les gars, de cette équipe, c'est cet homme-là, là, que vous voyez ici. Lamine Yamal. Allez, Lamine. Il est parti. Allez, Liman. Ah, il va pas passer. Quoique, il a encore le ballon. Avec un peu de réussite. Oh, dans la profondeur. Dans la profondeur, il y a peut-être quelque chose à faire. Bien joué. Petite conservation de balle avec le R1. T'as vu le grand Jérémy Doku. Il est parti, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, s'il arrive à dévier, ça sera un corner. On va la tenter, celle-là, avec Lamine Yamal, comme d'habitude, les amis. Vous connaissez la chanson. Et peut-être que ça terminera au fond des filets. Ça termine au fond des filets. Quand Lamine Yamal, les gars, tire des coups de pied arrêtés, ça finit toujours au fond des filets, les amis. Magnifique. Inaki Williams. Oh, regarde, les gars, le nombre de récupérations qu'il fait. Il se bat sur le terrain. Il se bat comme jamais. Magnifique, ça. Ça va peut-être passer, bien joué. Oh là, Illiman, Illiman, mais quel joueur! Quel joueur, c'est Illiman Enjai! Et la pause, encore une fois, les gars, demandée par l'adversaire. Et on repart encore une fois, les amis, sur Rashkit. Pour Illiman Enjai, vraiment en pile les buts, les gars. C'est une dinguerie. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi performant que ce qu'il est à l'heure où on se parle, les frérots. C'est donc 2 buts et une passe D pour Illiman Enjai. Et Lamine Yamal, 0 but cette fois-ci, mais 2 passes décisives, les gars, de délivrer. En même temps, il aura pas tiré au moins une fois au but. Mais comme d'habitude, il est toujours décisif à chaque rencontre. Les amis, pour ce dernier match de cette play review, les gars, on tombe contre une équipe plutôt originale. Franchement, une équipe plutôt sympathique, les gars, avec quasiment que des joueurs du championnat turc. Oh, les gars, comment c'est trop fort ça à chaque fois, les frérots. Lamine Yamal, l'enroulé, le but d'entrée, les amis. Vraiment, l'engagement, les gars, est beaucoup trop cheaté sur FC25. Les amis, comme d'habitude, on perd pas les bonnes habitudes, justement. On va appeler Lamine Yamal pour ce corner. Oh, dommage qu'il n'ait pas réussi à prendre la tête. C'était pas loin. Allez, le retour de Lamine Yamal qui va récupérer le ballon. Mais les gars, il est vraiment omniprésent. Il est de partout, Lamine Yamal. C'est abusé. Quelle machine de guerre, vraiment. Regardez, les gars, il va déjà se replacer là-bas. Hop. Elle est pour toi, Lamine Yamal. C'est cadeau. Montre-nous encore ce que tu sais faire. Il est passé. L'enroulé. Ça ne va pas passer, malheureusement. Allez, Lamine. Oh non, il tire à côté. Dommage. Allez, Lamine, comme d'hab. Comme d'hab, mon frérot. La grosse accélération pour éliminer tout le monde. Oh, dommage si ça pouvait passer pour Renour.
Alors peut-être passer grâce à ce passement de jambe. On est passé. Ça c'est beau. Un petit carré pour Inaki. La peufra. Il n'a pas de pied gauche malheureusement. Lamine Yamal les amis sur cette dernière rencontre. Ça sera donc les gars un but. Et d'ailleurs il a été élu homme du match. Comme d'habitude toujours autant décisif les gars Lamine Yamal. En plus de ça là, je l'ai testé un peu dans une compo en 4-3-3 les gars. En fait pour le jouer en tant qu'ailier droit. Et c'était quand même beaucoup mieux. Comment ça lui permettait les gars d'avoir ses player makers. Donc franchement les frères c'était plutôt pas mal ses player roles. Et c'est ce qui lui permettait donc d'avoir vraiment tout les gars. Les petits plus et tout à droite à gauche. Pour qu'il puisse vraiment être le plus performant possible. Après avoir testé les gars Lamine Yamal pendant 6 rencontres, donc 6 matchs les amis, il a quand même mis 6 buts et délivré 6 passes décisives, 12 fois décisives en 6 matchs. J'ai maintenant les gars pour vous donner mon avis sur le joueur, mais avant de chose n'oubliez pas de poser like, de vous abonner et de partager un maximum la vidéo les amis. Soyez bons justement pour le retour des players review les gars, je vous compte toujours vraiment pour exploser le compteur de pouces bleus et également d'abonnement. Lamine Yamal donc comme j'ai pu le dire les gars, 6 matchs et donc 12 fois décisives, c'est donc 2 fois décisives par rencontre, ce qui est donc énormissime. 4 étoiles jeu technique déjà les gars, techniquement parlant vraiment il est au taquet fort, hein, que ce soit balle au pied, que ce soit au niveau des gestes techniques justement, il m'a vraiment vachement impressionné. Au niveau du pied fort du coup, le pied gauche est ultra fort, c'est vrai, le pied droit un peu plus en difficulté. Le 3 de mauvais pied se ressent, c'est sûr que voilà, on dirait pas qu'il est ambidextre, on dirait pas qu'il a 5 étoiles de mauvais pied, on dirait pas non plus qu'il a 4 étoiles. Pour moi c'est vraiment du 3 étoiles de mauvais pied, c'est juste dommage, c'est vrai qu'il n'est pas un petit double 4, ça aurait été fort sympathique. Il peut jouer AD, MD, AG, donc ça c'est quand même un bon avantage, en sachant que pour moi vraiment le meilleur poste où il faut jouer Lamine Yamal c'est en tant que AD, c'est là où il a le plus de plus justement par rapport au rôle, donc c'est là où c'est le plus intéressant de pouvoir le caler. Au niveau du coup après les gars de sa carte, franchement les 86 de rapidité, on dirait qu'il a beaucoup plus sur le terrain. Il trace tellement les gars, on dirait un TGV les amis, on dirait Usain Bolt, il court à 10 000 à l'heure, c'est vraiment une dinguerie. Moi comment il m'a vachement impressionné, j'avais plus l'impression qu'il avait 94-95 de vitesse que 86 de rapidité honnêtement. Au niveau ensuite après de la finition, c'est quand même pas dégueulasse dans la globalité. Quand vous êtes en face à face, en règle générale ça va finir au fond des filets, par contre c'est vrai que quand vous êtes en dehors de la surface, au niveau des enroulés et tout, ça va être beaucoup plus compliqué je trouve. Au niveau du jeu de passe les gars, c'est vraiment très fort. Je m'attendais pas à une telle qualité de passe du côté de Lamine Yamal, surtout en termes de centre les gars. Les centres avec Lamine Yamal, comme dans la vraie vie où il rentre à l'intérieur et ensuite après il va tout simplement centrer en mode enroulé un peu, c'est ultra fort et c'est vraiment beaucoup trop cheaté je trouve. 84 du coup de passe courte, 68 de passe longue. J'avais plus l'impression qu'il avait plus en termes de passe longue. J'aurais plus dit 78-80 honnêtement. 84 d'effet. Donc ça c'est par rapport aux enroulés ou même par rapport aussi au centre comme j'ai pu le dire. Bon au niveau des enroulés c'est très compliqué en dehors de la surface. Il faut vraiment pas s'attendre les gars, ce qui vous met un but à 30-35 mètres. Hormis sur un petit coup d'éclat comme ça, un petit coup d'éclair, mais ça reste quand même très rare dans la globalité. Au niveau d'agilité et d'équilibre, c'est vraiment un joueur hyper hyper agile les gars. Vraiment balle au pied et tout, c'est vachement surprenant, c'est un joueur super facile à pouvoir manier in-game. Il m'a vachement impressionné. 83 du coup les gars de réactivité, dès que tu lui demandes de faire quelque chose il réagit hyper rapidement. Conduite de balle et dribble, 86 de conduite de balle et 88 de dribble, ça c'est clairement ressenti in-game, ça s'est vu. Balle au pied les gars, ça va vraiment tout seul, vraiment il te fait une conduite de balle tel un labyrinthe les amis, c'est vraiment incroyable. 68 du coup de calme, c'est vrai que parfois il manque un peu peut-être de sérénité, mais ça se ressent pas non plus de trop in-game. Et 62 d'enduro, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment cramé beaucoup trop rapidement, genre qu'il soit vraiment KO et qu'il puisse pas terminer le match. Et pourtant les amis, il arrive à chaque fois à terminer le match avec encore de l'endurance. C'est parce que forcément on est au tout début du jeu. Et donc du coup ça fait clairement la différence. Au niveau de jeu tête, c'est sûr qu'il faut pas du tout s'appuyer sur la mini mal. Malheureusement, il va rien vous prendre les gars de la tête, ça c'est un peu compliqué. Au niveau donc des playstyles, il a tir en finesse, R1, intuition et foulée rapide. Bon c'est quand même pas mal qu'il ait ses playstyles en blanc, mais c'est pas si il va non plus trop faire la différence. Foulée rapide et R1, ça se ressent quand même pas, tout comme intuition. Par contre le petit tir en finesse, comme j'ai pu le dire, ça se voit clairement que c'est pas son point fort en termes d'enroulé en dehors de la surface, en face à face. Par contre là ça pourra faire la différence. N'oubliez pas les gars de bien jouer la mini mal du coup en tant qu'ailier droit. Il coûte seulement 83 000 crédits. Alors on se parle, c'est clairement que dalle. Et pour moi les amis, j'attribuerai donc une note de 9 sur 10 au niveau du rapport qui a été pris de la mini mal les amis. Quel plaisir d'avoir testé les gars cette pépite, ce joueur en devenir. Du coup vraiment c'était un pur kiff. J'espère que vous aussi les gars vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de poser like, de vous abonner et de partager un maximum la vidéo. Et on se retrouve très rapidement les amis dès aujourd'hui encore pour une autre vidéo les gars. Donc surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et sur ce premier instant de vous en sentir avant tout, c'est très important. Paix sur vous et sur tous, c'était couvert. Ciao, ciao.